Salut les amis, aujourd'hui, comme le nom de la vidéo l'indique, on se retrouve pour un unboxing vraiment très spécial. Là, c'est pas du tout un titre putaclic, c'est un produit que déjà que je fais pas d'habitude sur ma chaîne parce que c'est pas un produit high-tech et un produit très rare et en plus nouveau. On va découvrir ça ensemble. Bon, le carton, il est tout beau. On dirait que. Enfin, ça se voit que c'est une nouvelle société. Ils font les choses bien. Puis dans un an, ils auront des cartons tout pourris comme tout le monde, quoi. Alors. Oh, bon, c'est bien impacté. Et vous allez vite voir pourquoi. Parce que c'est fragile là ce qu'il y a dedans. Ah ouais d'accord, bon ben le premier truc il est là-dedans. Génial quoi. On en voit un petit bout là. Qu'est-ce que ça peut bien être? On dirait une boisson. Bon, c'est une boisson alcoolisée. Ah vous voyez pas là en fait. Mais l'étiquette est toute pourrie. Lol. Ça doit pouvoir se réparer, je ferai ça après. Hop, ça, c'est la même chose. Cette fois, l'étiquette est en bon état. Allez. Ah, les bouteilles ont l'air fragiles, hein. Je sais pas en quelle matière c'est, mais. Ah, bah là, c'est encore pire. Mais au moins, ils ont mis du scotch pour bien fermer le truc. On va ouvrir ça, hein. Oh, de toute façon, vu la forme, vous avez vu que c'était à peu près le même produit. Hein. Hop là, encore une bouteille. Je fais exprès de les mettre de dos hein, pour pas vous spoiler. On va voir juste après, ne vous inquiétez pas. En tout cas, la deuxième sorte de bouteille là a l'air bien, bien plus solide. Une vraie bouteille quoi. Ah putain, c'est bien impacté hein. Voilà. Ouais, le transport a été un peu brusque, hein. Il y a de la mousse. Ah oui. Ça fait un vrai bruit de bouteille, ça c'est normal hein. Je refais celui-là pour comparer. C'est quand même un peu différent, c'est bizarre. Et la dernière. Ah bah c'était facile, hein, les deux dernières. Bon bah maintenant je vais vous montrer ce que c'est. Hein. Voilà, je crois que c'est assez clair. Hein. Et le meilleur pour la fin, surtout au niveau du nom. Hop là, voilà. Bon après je sais pas ce que ça donne, hein, j'ai pas encore goûté. Je ferai un débrief sur Twitter plus tard. Voilà. Et dernière chose, il faut savoir que les grandes bouteilles ont été faites à partir de deux personnes. Ces deux jolies filles là. Monica et Paulina. Voilà. Vous allez pouvoir vous régaler. Donc voilà, je vous dirai comment c'est sur Twitter et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!